Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et les missions de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, soyez bénis ce soir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, en attendant que les autres arrivent, je vais prier et nous allons commencer notre prière. Merci Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons encore ce soir, nous te louons. Merci pour ta grâce, merci de nous avoir gardés depuis la dernière session de midi jusqu'à maintenant. Merci Père, car tu as encore sonné la cloche dans notre cœur afin que nous puissions venir dans ta présence ce soir. Merci d'avoir donné la force à notre corps afin de nous disposer, Seigneur, à rentrer dans la prière de ce soir qu'est la guerre de minuit. Merci d'avoir fortifié notre être intérieur, notre âme, afin que nous soyons encore assoiffés, afin que nous ayons encore faim de toi cette nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te confions ce temps de prière entre tes mains. Seigneur, si toi, tu ne bâtis la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si toi, Seigneur, tu n'exauces la prière, alors nous qui prions, nous prions en vain. Seigneur, je t'en prie, ô Dieu, que tu puisses agréer cette prière de ce soir. Que cette prière soit agréable et agréée devant ton trône. Que cette prière, Seigneur, soit d'une odeur agréable, afin qu'elle soit, Seigneur, devant ton trône, comme une offrande de bonne odeur. Oui, daigne agréer cette prière que nous voulons commencer maintenant, Seigneur. Daigne, Seigneur, ô Dieu de gloire, répandre, exaucer aux doléances, Seigneur, à la prière, aux supplications, ô Dieu, de ce que tes enfants vont monter vers toi. Je te prie, Seigneur, et je te prie, Père, de libérer les anges de la prière du soir. Que les anges de la prière du soir soient libérés dans chaque maison. Que les anges de la prière du soir soient libérés dans chaque famille. Que les anges de la prière du soir soient libérés dans chaque endroit, quel que soit l'endroit du monde dans lequel, Seigneur, se trouve, Seigneur, quelqu'un qui est connecté ici, ô Dieu, que les anges soient libérés maintenant dans le nom de Jésus. Que les anges qui sont assignés à recueillir les prières afin de les ramener devant le trône puissent prendre les prières et les ramener devant le trône, Seigneur. Et que ces prières soient comme de l'encens devant ton trône. Et que ces prières soient comme de l'encens, comme, Seigneur, de ta gloire, comme une fumée d'une odeur agréable devant ton trône dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, ô Dieu de gloire, libère les anges de la prière du soir. Libère les anges de la prière de la nuit. Libère les anges, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, faire une prière qui te sera agréable. Saint-Esprit, prends le contrôle et règne. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Je détruis tout esprit de sommeil. Je détruis tout esprit de distraction. Je détruis tout esprit de lourdeur. Je détruis tout esprit de fatigue. Je détruis tout esprit d'incrédulité. Je détruis tout esprit de découragement. Je détruis tout esprit, Seigneur, qui pourrait ramener, ô Dieu, l'incrédulité, la fatigue, le découragement dans le cœur de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, tel que nous commençons la prière, tel nous allons la terminer dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Ok. Notre thème,
débloquer les situations difficiles. Merci de partager la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver. Merci d'aimer la vidéo. Waouh, l'heure passe très vite. Il est déjà 22h54. Débloquer les situations difficiles. Nous allons lire dans Jacques 5 à partir du verset 13. Jacques 5 à partir du verset 13. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Jacques, bien-aimé, quand on parle de Jacques, Jacques était le frère de Jésus. Jacques était le frère de Jésus. Et il dit ici que si quelqu'un est dans la souffrance, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. S'il y a une situation qui est difficile dans ta vie, une situation qui te fait souffrir, tu dois prier. La Bible te conseille, la Bible te donne un chemin, la Bible te donne une direction, Jacques te donne une direction, c'est de prier. Qu'il prie. En d'autres termes, ne te braque pas. Bien-aimé, il y a des chrétiens qui, malgré qu'ils passent des moments difficiles, des situations difficiles, n'aiment pas prier. Ils prient une fois, deux fois, trois fois, ça ne se débloque pas, il lâche l'affaire, il dit, c'est pas la peine. Je ne prie pas, j'arrête parce que j'ai déjà fait et je ne vois rien. Bien-aimé, tu dois continuer à prier jusqu'à ce que tu vas remporter la victoire. Alléluia. Si quelqu'un est dans la souffrance, quelqu'un parmi vous, on dit quelqu'un parmi vous, est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Tu dois prier jusqu'à remporter la victoire. Et il dit quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Chacun pour sa part doit faire quelque chose. Si tu es dans la joie, tu dois chanter des cantiques, tu dois louer l'Éternel. Mais si tu es dans la souffrance, tu dois prier. Alléluia. C'est pour cela ce soir, nous voulons prier pour débloquer les situations difficiles. Alléluia. Il y a des situations qui sont difficiles. Des situations qui ne se débloque pas facilement. C'est-à-dire, tu es en train de prier, mais la situation persiste et ça te gêne. Alléluia. Ça te gêne. La situation est très embarrassante pour toi parce que tu pries, mais c'est en train de résister. Ça ne part pas. Tu dois continuer à prier jusqu'à ce qu'il y ait déblocage total. Déblocage des situations difficiles. Alléluia. Déblocage des situations difficiles. Tu dois prier. Tu dois aller frapper à la porte du ciel. Tu dois prier. Tu dois prendre autorité. Tu dois faire toutes sortes de prières jusqu'à ce que tu vas remporter la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur et rien n'est impossible à notre Dieu. Le Seigneur Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. En d'autres termes, cette situation que tu trouves difficile, cette situation qui est en train de se bloquer, cette situation qui est en train de se corser, cette situation qui est difficile, qui est pénible pour toi, cette situation qui te fait perdre même l'orientation, pour notre Dieu, cette situation n'est absolument rien du tout. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Débloquer les situations difficiles. Quand on prie, bien-aimé, il y a des prières qu'on peut faire, on prie et puis tout de suite on a un résultat. Mais il y a d'autres prières qu'on fait, on voit que le problème est toujours là, on doit persister, on doit encore continuer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes démons, ce n'est pas le même combat. Chaque combat a des géants derrière. Ça peut être des petits géants. Ça passe, c'est des petits démons, tu pries et ça part. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des hommes forts, il y a ce qu'on appelle des forteresses, il y a ce qu'on appelle des esprits coriaces qui ne lâchent pas. Et ces esprits-là, il faut vraiment prier et prendre autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimé, toi qui es connecté ici, famille TPS, croyez qu'il y aura déblocage des situations difficiles ce soir. Alléluia.
Écris avec moi, je crois au déblocage. Je crois au déblocage au nom de Jésus-Christ. Je crois au déblocage au nom de Jésus-Christ. Crois qu'il y aura déblocage de la situation difficile ce soir dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi tu vas croire? Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va le faire. Alléluia. Situation, déblocage de situation difficile. Déblocage de situation difficile. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez voir que dans Matthieu 17 au verset 21, Jésus parle à ses disciples, il dit ceci. Matthieu 17 au verset 21, il dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il y a des démons que tu peux chasser facilement, mais il y a d'autres démons, la prière seule ne suffit pas, il faut encore le jeûne. Alléluia. Il faut le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le Seigneur Jésus-Christ parle des sortes de démons. Donc, il y a plusieurs sortes d'esprits qui peuvent agir. Comme je disais tout à l'heure, il y a des esprits qui peuvent partir tout de suite, qui obéissent. Il y a d'autres esprits qui se cachent, qui n'obéissent pas, qui ne sortent pas, qui ne partent pas. Il y a d'autres esprits qui persistent jusqu'à aller les chercher à la racine pour les déraciner jusqu'à ce qu'ils vont te quitter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sinon, le Seigneur n'allait pas dire, mais cette sorte de démon, dans Matthieu 7, 17, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il parle bien de sorte de démon. Donc, il y en a d'autres qui partent facilement. Il y en a d'autres, il faut rajouter le jeûne parce que la prière seule ne va pas suffire. Il y en a d'autres, il faut rajouter peut-être autre chose. Il y en a d'autres, c'est différent. Alléluia. Chaque démon a une certaine manière de réagir. D'autres vont partir tout de suite, d'autres vont résister un tout petit peu. Je vous donne un exemple. Exemple, on fait une délivrance à une personne. Voilà. On prend une personne, on lui fait une délivrance. Et pendant la délivrance, l'esprit méchant parle. L'esprit parle et dit, c'est moi, je donne un exemple. Hein. C'est moi, sa tante qui vit en elle. Je suis là depuis qu'elle est toute petite. Et toi, tu dis à cet esprit, quitte cette femme dans le nom de Jésus. Quitte cet homme, libère cet homme au nom puissant de Jésus. Quitte, le démon va partir. Mais si dans le corps de la personne, je donne un exemple, il y avait peut-être 10 démons, vous n'avez chassé qu'un seul. Donc il y a encore 9 qui sont restés. Vous voyez, il y en a un qui a parlé, mais qui a caché les autres. Lui va dire, voilà, je suis parti, c'est bon, je libère, je m'en vais. On prie, on acclame le Seigneur, on dit merci Seigneur parce que cet esprit est parti. Mais en fait, il y a 9 autres qui sont cachés. N'oubliez pas, la Bible nous parle de cet homme qui avait des démons, qui était possédé par un démon qui s'appelle Légion. Légion représente 2000 démons. Donc, s'il y avait seulement un qui était sorti, or qu'ils étaient nombreux, ils étaient une Légion, ils s'appelaient Légion. Plus de 2000 démons qui étaient en lui. Il fallait que tous y partent. Et quand le Seigneur Jésus les a chassés, ils sont tous rentrés dans les troupeaux, dans les porcs qui étaient là. Vous voyez, dans le troupeau des porcs qui étaient là. Mais si maintenant on avait seulement chassé un seul démon dans le corps de cet homme, il y allait encore rester plus de 1000 et quelques. Ça n'est pas terminé. C'est pour cela que vous allez voir des fois, on fait la délivrance, il y a un esprit qui parle. On se dit, c'est bon. Et la prochaine fois, on fait encore notre délivrance, on découvre encore un autre esprit. Donc, c'est pour cela. Quand on fait la délivrance, là je vous donne le cours de la délivrance. Quand on fait la délivrance et qu'il y a un esprit qui parle, on doit aller chercher le chef. Parce que souvent, les démons sont très malins. Ils vont vous envoyer juste un petit démon de rien du tout qui va partir tout de suite. S'ils sont nombreux, ils sont peut-être 20. Ils vont vous envoyer le dernier des derniers des derniers des démons. Et c'est lui qui va parler. Il va dire, c'est moi qui bloque sa vie. C'est moi qui bloque sa situation. Et si tu n'as pas de connaissance dans la délivrance, tu vas dire c'est ça. Mais il faut aller chercher leur chef. Il faut parler directement au chef. J'appelle votre chef. Si le chef part, tous les démons partent avec lui. Vous voyez? Donc il y a des situations des fois qui bloquent parce que quand on chasse, il y a des petits esprits qui partent. Mais il y a le plus gros est toujours là. Il est caché. Le plus gros est toujours là. Il est caché. Il est là, il est caché, il est caché, il est caché. Et l'on voit toujours les petits qui parlent. Et à chaque fois qu'on va faire la délivrance, on va encore découvrir un autre esprit. On va encore découvrir un autre esprit. On va encore découvrir un autre esprit. Et le problème a l'impression de persister, ça finit pas. On se dit, mais la situation là ne se débloque pas. La situation ne se débloque pas. Or,
on n'a pas délogé le démon qui est à la racine du problème. Il y a ce qu'on appelle la racine, le démon qui est à la racine du problème, l'esprit qui est en train de bloquer, donc le chef, l'homme fort qui agit vraiment et qui commande tous les autres. Souvent, on chasse seulement les autres, les petits, mais l'homme fort est toujours là. Donc, quand l'autre là est parti, il y a encore d'autres qui sont à l'intérieur. Et ça continue. Donc, quand on parle de débloquer les situations difficiles, on va à la racine pour couper, pour déloger, pour tailler l'homme fort à la racine. Alléluia. Pour détruire à la racine. Écris avec moi, détruire à la racine dans le nom de Jésus-Christ. Détruire à la racine les situations difficiles là, qui ne finissent pas. Détruire à la racine dans le nom de Jésus. À midi, j'ai parlé des mariages emprisonnés. Bien-aimé, il faut prendre autorité quand cet esprit qui a bloqué ton mariage. Maintenant, ici, ils sont nombreux. L'esprit, là, la racine, celui qui a la racine, celui qui a la base. Cet esprit qui a la base, qui a bloqué ton mariage, qui t'a fait rentrer dans une prison. Un mariage prison. Alléluia. Il faut détruire cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le mariage est une bénédiction. Quand tu te maries, comme c'est une bénédiction, le ciel est d'accord, la terre est d'accord, les parents sont d'accord sur la terre, le ciel est d'accord. Alors, le chemin doit s'ouvrir. S'il faut qu'il y ait un voyage, ça doit s'ouvrir pour réunir la famille. C'est ce que Dieu veut, pour que papa, maman et les enfants soient ensemble. Alléluia. Alléluia. Il faut détruire à la racine dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit qui ramène des blocages dans ta vie, toute situation difficile qui est toujours en train de se bloquer. Quand tu crois que ça y est, c'est bon, ça va s'ouvrir. Il y a encore une autre situation. À chaque fois, tu te dis, ça y est, merci Seigneur. Tu dis même merci Seigneur. Il y a encore autre chose qui arrive. Bien-aimé, il faut détruire à la racine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Détruire à la racine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Détruire à la racine dans le nom puissant de Jésus-Christ pour débloquer les situations difficiles. Alléluia. Le Seigneur Jésus est capable de te délivrer ce soir. Ah, il dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole les guérit. Sa parole les guérit. Nous allons lire la parole de Dieu encore dans Jérémie 30 au verset 16 à 17 et nous allons prier. Jérémie chapitre 30 à partir du verset 16 à 17. Il est écrit. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Alléluia. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Alléluia. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Voilà, c'est un retour à l'envoyeur. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Alléluia, gloire à Dieu. Je relis encore pour quelqu'un. J'aime la parole du Seigneur, j'aime la parole de l'Éternel. Elle me donne la force, elle me fortifie, elle me vivifie, elle me guérit. Je suis dans la joie de la lire. Alléluia, c'est notre héritage. Écoutez très bien. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci. Peut-être qu'on se moque de toi. On te dit depuis que tu as commencé à prier ton Dieu là. Depuis là aussi on ne voit rien. Depuis que tu vas à l'église, tu pries, tu loues, tu t'habilles en talons aiguilles. À chaque fois tu mets ta veste et ta cravate. Il n'y a toujours rien. Tu n'as toujours pas changé. Voilà la promesse de Dieu pour toi ce soir. Jérémie 30, 16 à 17. Voilà la promesse de Dieu pour toi ce soir. Dieu dit pour toi qu'il va dévorer ceux qui te dévorent. Alléluia. Il va dévorer ceux qui te dévorent. Il va dépouiller ceux qui te dépouillent. Oui, il va piller ceux qui te pillent. Il va rendre à l'envoyeur. Il va rendre à l'envoyeur ce qu'il a fait contre toi. Mais quant à toi, il va te guérir. Il va panser tes plaies. Il va te faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu est un Dieu de vengeance, notre Dieu est un Dieu fidèle, notre Dieu est un véritable Dieu. Il viendra, il va te restaurer, il est le Dieu de la restauration, il va te restaurer, il va combattre pour toi et il va renvoyer à l'ennemi toute flèche qu'il a forgée contre toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus, gloire à Dieu. Nous voulons prier le Seigneur, débloquer les situations difficiles. Ce soir, des situations difficiles vont être débloquées dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir,
il y a une onction qui débloque un dossier qui a été oublié depuis longtemps. Toi-même, tu as oublié aussi. Je déclare qu'on va te téléphoner, on va t'appeler, on va te chercher. On va venir te chercher là où tu te trouves pour te dire viens, pour te dire on te cherche, pour te dire ramène le papier qui manquait. Je déclare ce soir qu'un vent de restauration va souffler sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que les anges de l'Éternel sont déjà dépêchés pour couper toute corde qui rendait ta situation difficile, pour couper toute corde qui rendait ta situation compliquée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce soir, un miracle se fait dans la vie d'une personne. Ce que toi tu disais, ah, cette situation est dure, tu vas voir que cela sera facile dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les portes qui étaient fermées pour toi hier vont s'ouvrir ce soir au nom de Jésus. Le ciel dépêche des anges guerriers, des anges qui vont combattre pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce soir, c'est l'onction du déblocage. Écris avec moi, l'onction du déblocage, l'onction du déblocage, l'onction du déblocage des situations difficiles, l'onction du déblocage de la situation qui paraissait difficile, l'onction du déblocage de la situation qui était compliquée pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le vent de la restauration, le vent du déblocage souffle maintenant ce soir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Le vent du déblocage souffle ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Sois prêt à recevoir cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Devant notre Dieu, aucune situation n'est difficile. Devant lui, tout est facile. Alléluia. Il ordonne au vent, il commande au vent de s'arrêter. Il commande au vent, à la tempête de se taire et la tempête se tait aussitôt. Parce qu'il est Dieu. Il parle aux arbres de sécher et l'arbre sèche aussitôt. Il parle à la montagne de se déplacer et la montagne se déplace aussitôt. Il parle à la mer de se diviser en deux et la mer se divise en deux pour créer un chemin pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il commande au désert de ramener de l'eau pour toi et le désert ramène de l'eau. Il commande au désert de fleurir pour toi et le désert fleurit dans le nom puissant de Jésus. Il commande au désert de se changer en Éden pour toi, pour ton bien, et cela se fait ainsi. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi que ton Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, El Shaddai, Adonai, Jehovah Jireh, va débloquer les situations difficiles dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, avant de commencer ma prière, laisse-moi te dire quelque chose. Alors que j'avais emmené ma fille à l'école, c'était aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Quand j'ai emmené ma fille, on est jeudi. Quand j'ai emmené ma fille aujourd'hui à l'école, ce matin, alors je passais sous un pont. Quand je suis passée sous le pont, alors je regarde le pont. Au-dessus, il y a des voitures qui passent. Il y a plusieurs sortes de voitures, des bus, et moi, je suis en dessous. Alors, mon esprit me pose la question. C'est-à-dire, je me pose la question à mon esprit. Qu'est-ce qui fait que je suis passé sous ce pont? Qu'est-ce qui a fait que je suis passé sous ce pont sans pour autant avoir peur? Bien-aimé, c'est la foi. La foi que je peux passer là et pourtant il y a plein de voitures, il y a plein de poids lourds qui passent au-dessus. Je n'ai pas peur, je n'ai même pas une pensée que ça va s'écrouler. Alléluia, j'ai confiance que c'est un pont qui est bien bâti et je passe. Mon esprit a posé la question à mon esprit et j'ai dit c'est la foi. Alors mon esprit a commencé à m'exhorter pour me dire voilà la foi, la parole de Dieu est donnée. On vous donne la parole de Dieu. Dieu vous a donné les promesses, mais pourquoi vous n'avez pas la foi sur ces promesses? Pourquoi vous avez toujours des doutes? Est-ce que vous avez des promesses? Il dit dans sa parole, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il te dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Il te dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais l'Esprit de Dieu les mettra en fuite par sept chemins. Ils fuiront par sept chemins. Il dit dans sa parole, je serai une muraille de feu tout autour de toi. Il dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il dit dans sa parole, tu es la prunelle de mon œil. Il dit dans sa parole, qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie. Mais vous avez du mal à croire. Mais sous le pont, vous êtes passé. Sous les ponts, vous passez.
Sur les ponts, vous passez. Vous ne vous posez pas la question, est-ce que le pont va s'écrouler? Alléluia. Vous ne vous posez pas la question. Ce sont les hommes qui ont créé ces ponts, qui ont fabriqué ces ponts. Vous ne vous posez pas la question, est-ce que moi je passe ici? Les poids lourds passent ici. Je suis juste en dessous et il y a un bus qui passe au-dessus de moi. Est-ce que ça ne va pas tomber? Avez-vous des hésitations pour passer sous un pont? Non, vous n'avez pas d'hésitation. Vous passez directement tranquille. Vous n'avez même pas ça à la tête. Alors pour la parole de Dieu, pourquoi vous avez des doutes quand Dieu a déjà parlé? Alléluia. Quand Dieu a déjà parlé, pourquoi vous avez des doutes? Il a déjà parlé. Ce qu'il dit est vrai. La Bible déclare ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il a déjà dit, il a déclaré, alors ça va se faire. Alléluia. Ayez confiance, ça va se faire. Il dit, vous parlerez à cette montagne, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et cela sera fait ainsi. Si vous avez de la foi, même un peu de foi, comme un grain de senevé, vous allez parler à la montagne et la montagne va vous obéir. C'est la parole du Seigneur. Mais pourquoi avons-nous des doutes sur cette parole? Mais nous avons confiance dans les choses que l'homme crée. Quand tu prends ton médicament, tu ne te poses pas la question, est-ce que ce médicament va me tuer? Tu prends le médicament et tu as confiance, même si tu as encore mal. Tu es sûr que ce médicament va te guérir. Mais le médicament a été fabriqué par les mains d'hommes, par des hommes qui vont mourir, par des hommes qui ont peut-être déjà quitté la terre. Mais ton Dieu qui te donne le véritable médicament qui est sa parole, tu as des doutes et tu as du mal. Bien-aimé, voilà ce que le Saint-Esprit m'avait dit. J'ai dit, Saint-Esprit, oui, c'est vrai. Nous avons un problème sérieux. Que nous puissions vraiment grandir dans la foi. Que nous puissions grandir dans la foi. Que nous puissions grandir dans la foi. Quand tu prends ton avion et que l'avion décolle, tu ne te poses pas la question, est-ce que ça va s'écraser? Tout ce que tu vois, c'est la joie d'arriver. Alléluia. Tu te dis, je vais arriver. Tu crois. Tu ne connais même pas le pilote qui conduit l'avion. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais même pas s'il a ses diplômes. Mais tu le crois. Quand tu vas sur la table d'opération et qu'on te dit qu'on doit t'opérer, tu te laisses chez le médecin, chez l'anesthésiste. Tu ne te poses pas la question si l'anesthésiste a bien mesuré ses doses d'anesthésie. Tu lui fais confiance. Tu ne le connais pas. Tu ne le vois que ce jour-là. Mais tu lui fais confiance. À combien plus forte raison? La parole de notre Dieu. La parole qui est la vie. Sa parole qui est la vérité. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, déblocage des situations difficiles. Alléluia. Ce soir, ton Dieu, notre Dieu, va débloquer les situations difficiles dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. Déblocage des situations difficiles. Débloquer les situations difficiles. Tu vas dire encore merci au Père ce soir. Tu vas lui dire, Père, merci. Merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Merci encore pour le souffle de vie. Et merci de m'avoir ramené encore dans ta présence. Je te bénis, je te loue, car c'est pour moi un privilège. Alléluia. Bien-aimé, bénis le Père ce soir de t'avoir ramené dans sa présence. Reconnais que c'est un privilège pour toi d'être dans sa présence. Bien-aimé, tu dois toujours reconnaître la présence de Dieu comme un privilège. Au-dessus de toute chose, au-dessus de toute autre présence, au-dessus de toute autre activité. Alléluia. Reconnais, reconnais. Reconnais ce soir, reconnais que c'est un privilège d'être à ses pieds et dis-lui merci pour le souffle de vie, pour la protection en cette journée. Prions le Seigneur, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, je te bénis encore ce soir, je te glorifie ce soir, reçois la gloire et la louange, tendre Père, je te bénis Seigneur. Oh, je reconnais ce soir que nul n'est comme toi. Je reconnais ce soir Seigneur que sans toi je ne peux absolument rien faire. Je reconnais ce soir, oh Dieu, que c'est toi qui gardes ma maison, que c'est toi qui gardes mes enfants, que c'est toi qui gardes ma famille. Je reconnais ce soir, tendre Père, que sans toi je ne suis absolument rien. Je te glorifie, je te magnifie. Nul n'est comme toi, nul n'est puissant comme toi, nul n'est glorieux comme toi. Je viens encore te reconnaître ton amour, je viens encore reconnaître, Seigneur, ta miséricorde. Je viens encore reconnaître ton nom dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, Seigneur. Je reconnais encore, Seigneur, que c'est toi qui m'as encore ramené ce soir dans ta présence. Ce n'est pas mon programme, ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est toi qui m'as ramené ici. C'est toi qui m'as ramené au pied de ta croix. C'est toi qui m'as ramené devant ton trône. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. C'est toi qui m'as donné, Seigneur, aux lettres. C'est toi qui m'as donné, Seigneur, la force. C'est toi qui m'as donné la capacité de me trouver devant le trône de ta grâce. Je te bénis, je te loue, je te magnifie, je t'exalte. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je reconnais ce soir que nul n'est comme toi. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole ce soir qui m'a encore édifié. Merci pour ta parole ce soir qui m'a encore guéri. Merci pour ta parole ce soir qui nous a encore fait du bien. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, tendre Père, d'avoir ramené nos cœurs au pied de ta croix, d'avoir ramené nos cœurs, Seigneur, dans ta présence, d'avoir ramené nos cœurs devant ton trône. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Nous voulons nous repentir devant le Seigneur. Nous voulons nous repentir devant Dieu. Alléluia. Nous voulons reconnaître que nous sommes pécheurs, car la Bible déclare « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela, tu vas dire tout simplement ce soir, « Seigneur, je reconnais devant toi mes fautes. » Bien-aimé, reconnais tes fautes devant Dieu. Reconnais tes fautes. D'ailleurs, il lit les cœurs. Il sonde les cœurs et les reins. On ne peut pas se cacher devant lui. Tu dis, « Seigneur, je reconnais devant toi mes fautes. » Alléluia. « Et mes transgressions et mes péchés. » Pardonne mes péchés ce soir. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Et tu vas commencer à reconnaître. Seigneur, je te demande pardon. Père éternel, Seigneur, je reconnais devant toi mes fautes et mes transgressions. Pardonne mes péchés. Je reconnais ma colère. Tu vas dire tout ce que tu reconnais et tu vas dire, je décide d'abandonner cela dans le nom puissant de Jésus. Je décide de me détourner de mes mauvaises voies dans le nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ô Seigneur de gloire, je viens encore devant le trône de ta grâce. Je reconnais ce soir, je reconnais devant toi mes fautes, je reconnais devant toi mes péchés, je reconnais devant toi mes transgressions, Seigneur. Je reconnais devant toi mes manquements, mon Dieu. Je reconnais devant toi, Seigneur, mes faiblesses. Je reconnais devant toi mes fautes. Je reconnais devant toi, Seigneur, mon mal. Je reconnais devant toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, tout ce que je fais et qui ne te glorifie pas. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, Seigneur. Père, pardonne mes péchés. C'est pour cela, ce soir, je te demande encore de m'aider. Aide-moi à reconnaître mes fautes et à m'en débarrasser. Aide-moi à reconnaître mes fautes et à m'en débarrasser. Ce soir, Seigneur, je viens encore devant le trône de ta grâce. Aide-moi à reconnaître mes fautes et à m'en débarrasser. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, demande au Seigneur de t'aider à reconnaître tes fautes et à t'en débarrasser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses les reconnaître, que tu ne puisses pas avoir peur, que tu ne puisses pas avoir honte. Oui, car quiconque aura honte du Seigneur, le Seigneur aussi aura honte de lui. Alléluia. Tu vas demander pardon. Aide-moi, Seigneur, ce soir à reconnaître mes fautes, à reconnaître mes péchés et à m'en débarrasser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, je reconnais mes péchés. Bien-aimé, commence à reconnaître. Je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes, je reconnais ma colère, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, mon manque de maîtrise de soi. Je reconnais, Seigneur, l'endurcissement de mon cœur. Je reconnais, Seigneur, mon incrédulité. Je reconnais, Seigneur, mon découragement. Je reconnais, Seigneur, ô Dieu de gloire, mes doutes. Je reconnais, Seigneur, ô Dieu de gloire, quand je boude. Je reconnais, Seigneur, Dieu de gloire, mon orgueil. Je reconnais, Seigneur, ô Dieu, je reconnais mon manque de sagesse. Je reconnais, Seigneur, mes fautes. Je te demande pardon, je te demande pardon ce soir. Pardonne-moi. Je décide de m'en débarrasser dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, Seigneur, je reconnais, Seigneur, mes fautes. Je reconnais mes mauvaises paroles. Je reconnais, Seigneur, ô Dieu de gloire, ma colère. Je reconnais, Seigneur, ô Dieu de gloire, mon orgueil. Je reconnais, Seigneur, toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Je reconnais, Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Père, mon goût pour l'alcool. Je reconnais, Seigneur, ô Dieu de gloire, je reconnais mon péché. Je reconnais l'impudicité. Bien-aimé, commence à dire, je reconnais, Seigneur, de gloire, mon hypocrisie. Je reconnais, Seigneur, mon orgueil. Je reconnais mon manque d'humilité. Je reconnais, Seigneur, mes excès de colère. Je reconnais mon manque de pardon. Je reconnais mon esprit de non-pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Bien-aimé, demande pardon. Demande pardon. Reconnais cela dans le nom puissant de Jésus. Tu veux le déblocage des situations difficiles? Reconnais aussi là où tu as tort. Reconnais. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. Le Saint-Esprit expose à ton esprit. Le Saint-Esprit est en train de te dire qu'il y a ça et ça et ça qui ne marche pas. Alors n'hésite pas. N'hésite pas à dire ce que tu reconnais cela. Tu reconnais cela. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia, purifie-moi ce soir, purifie-moi par ton sang. Bien-aimé, demande la purification, ah, la purification, purifie-moi Seigneur, purifie-moi de la tête à la plante de mes pieds, ce soir dans le nom de Jésus, purifie ma maison par ton sang Seigneur, que ce qui n'est pas de toi Seigneur soit enlevé, dans le nom de Jésus, purifie mes enfants ce soir par ton sang précieux, dans le nom de Jésus, purifie ma famille ce soir par ton sang précieux, dans le nom puissant de Jésus, purifie mon époux ce soir, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore prier et nous allons encore inviter le Saint-Esprit. La Bible déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons prier. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons chasser les démons. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons prendre autorité. C'est par le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, parlant à la Samaritaine, lui dit, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas encore prier et tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, alors que je suis à la porte de minuit, permets que le Saint-Esprit prenne entièrement le contrôle de ma langue maintenant au nom de Jésus. Oui, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta langue. Alors que tu vas commencer à faire la prière d'autorité tout à l'heure, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta langue. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, permets que le Saint-Esprit prenne entièrement le contrôle de ma langue maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Permets que le Saint-Esprit, mon Père, prenne le contrôle, prenne entièrement le contrôle de ma langue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à appeler le Saint-Esprit, demande au Père de permettre que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta langue, que le Saint-Esprit prenne entièrement le contrôle de ta langue dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prenne entièrement le contrôle de tes mains, tu peux rajouter les mains dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de tes pieds dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je me tiens à la porte de minuit, mon Père, permets que le Saint-Esprit prenne entièrement le contrôle de ma langue maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche maintenant, oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ça ne soit pas moi qui prie, mais que ce soit le Saint-Esprit qui prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, je t'en supplie, mon Père, permets que le Saint-Esprit, prenne entièrement le contrôle de ma langue maintenant, au nom puissant de Jésus. Oui, donne ta langue, donne le contrôle de ta langue au Saint-Esprit maintenant. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, donne le contrôle de ta langue au Saint-Esprit maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Permets que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma langue maintenant, alléluia, qu'il prenne entièrement le contrôle de ma langue maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, nous rentrons maintenant dans la guerre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Tu vas prier ce soir et tu vas dire, « Oh mon Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, débloque toute situation difficile dans ma vie au nom puissant de Jésus. Oh Père, oh mon Père, débloque toute situation difficile dans ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. » Je répète encore, ô Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, débloque toute situation difficile dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, demande au Père de débloquer toutes les situations difficiles dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Demande au Père de débloquer toutes les situations difficiles dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. N'hésite pas à les nommer, n'hésite pas à dire de quoi il s'agit dans le nom de Jésus. Mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, débloque toute situation difficile dans ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Débloque toute situation compliquée dans ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, lève-toi ce soir, lève-toi ce soir. Débloque maintenant toute situation difficile dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait déblocage ce soir dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Oui Seigneur, je t'en supplie, alors que je t'invoque, réponds-moi. Débloque les situations difficiles dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Débloque les situations compliquées
chrétien dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Débloque mon père, débloque mon père, débloque mon père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon père, alors que je me tiens à la porte de minuit, débloque toutes les situations difficiles dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, demande au père, alors que tu es positionné à la porte de minuit, de débloquer toutes les situations difficiles dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que ce soir, tu obtiennes la victoire. Que ce soir, tu obtiennes la victoire. Que cela soit débloqué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit débloqué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit débloqué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, des fois la situation est difficile parce que le problème est dans le sang. Alléluia. Le blocage se trouve dans le sang. Alors le problème est en train d'insister. Peut-être qu'il y a un esprit, il y a des esprits qui sont dans le sang et qui bloquent, qui sont en train de bloquer, qui sont en train de te combattre. Alors tu vas prier, tu vas déclarer ceci. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, que mon sang, alléluia, ton sang, alléluia, que mon sang rejette tout esprit de problème difficile au nom de Jésus. Tout esprit de situation difficile au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, que mon sang rejette cette nuit, rejette ce soir tout esprit de problème, de situation difficile dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare que ton sang rejette cela. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, alors que je me tiens à la porte de minuit, que mon sang rejette tout esprit de problème, tout esprit de situation difficile dans le nom puissant de Jésus. Que mon sang rejette tout esprit d'infirmité, tout esprit de problème, tout esprit d'échec, tout esprit de combat, tout esprit de tristesse, tout esprit de stérilité, tout esprit d'infirmité dans le nom puissant de Jésus. Déclare que cette nuit, ton sang rejette cela au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, alors que je me tiens à la porte de minuit, que mon sang rejette, parle que ton sang rejette, en fait parle à ton sang, tente de parler à ton sang, que mon sang rejette, au nom puissant de Jésus, tout esprit d'infirmité, tout esprit de situation difficile, tout esprit de tristesse, tout esprit d'échec, tout esprit d'adversité, tout esprit d'oppression, tout esprit de maladie chronique, tout esprit maléfique qui ne glorifie pas le nom de mon Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, que mon sang rejette maintenant au nom de Jésus. Commence à dire à ton sang, que mon sang rejette, que mon sang rejette, que mon sang rejette tout esprit d'infirmité dans le nom de Jésus-Christ. Que mon sang rejette tout esprit, alléluia, tout esprit qui bloque les situations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon sang rejette tout esprit de blocage de situation dans le nom puissant de Jésus. Que mon sang rejette tout esprit de situation difficile dans le nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, que mon sang rejette cela maintenant. Dis que mon sang rejette tout esprit d'infirmité au nom de Jésus-Christ. Que mon sang rejette tout esprit de pauvreté chronique dans le nom de Jésus. Que mon sang rejette tout esprit de prison maléfique, de prison spirituelle au nom puissant de Jésus. Que mon sang rejette tout esprit de blocage dans le nom puissant de Jésus. Que mon sang rejette tout esprit de situation difficile dans le nom de Jésus. Que mon sang rejette cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, déclare au nom puissant de Jésus, que ton sang puisse rejeter, rejeter tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Que ton sang puisse rejeter tout ce qui ne glorifie pas le Père dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que mon sang rejette cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon sang rejette au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas déclarer. Au nom puissant de Jésus, ce soir, je dégage mon âme de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus.
Ce soir, je dégage mon âme de toute prison spirituelle. Bien-aimé, tu peux encore rajouter une variante à cette prière. Ce soir, je dégage mon âme de toute situation, de toute prison spirituelle qui ramène des situations difficiles dans ma vie dans le nom de Jésus. Ça, tu peux rajouter. Alléluia. Ce soir, au nom de Jésus, je dégage mon âme maintenant. Je dégage mon âme. Je dégage mon âme de toute prison spirituelle qui ramène des situations difficiles dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare ce soir, je dégage mon âme. Je dégage l'âme de mes enfants. Je dégage les âmes de mes enfants. Je dégage l'âme de mon époux. Je dégage mon âme de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je dégage mon âme de toute prison spirituelle au nom de Jésus-Christ. Je dégage mon âme de toute prison spirituelle, alléluia, qui ramène des difficultés dans ma vie. Je dégage mon âme de toute prison spirituelle qui ramène des blocages dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, ce soir je déclare que je dégage mon âme de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, alors que tu es en train de dégager ton âme, tu peux aussi dégager ton corps. Je dégage mon corps de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Si ton corps est dans une prison spirituelle, c'est là où tu as des maladies bizarres qui ne partent pas, des maladies bizarres que tu ne comprends pas, que les médecins n'arrivent pas à donner le nom, que les médecins n'arrivent pas à voir, qu'ils n'arrivent pas à nommer. Alléluia. Des maladies qui n'ont pas de nom. Commence à déclarer dans le nom puissant de Jésus, je déclare ce soir que je dégage mon corps de toute prison spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Je dégage mon âme de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je dégage ma destinée de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je dégage les âmes de mes enfants de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à te dégager. Commence à te dégager. Je me dégage ce soir de toute prison spirituelle qui ramène des blocages dans ma vie, qui ramène des blocages dans ma situation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare le déblocage au nom puissant de Jésus. Je déclare le déblocage au nom puissant de Jésus. Je déclare le déblocage au nom puissant de Jésus. Je déclare le déblocage des situations difficiles dans ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare le déblocage au nom de Jésus. Je dégage mon âme de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu as des problèmes avec ton intelligence, tu n'arrives pas à réfléchir, je dégage mon intelligence de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as un enfant qui a des problèmes d'autisme, je dégage l'intelligence de mon enfant de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as une personne dans ta famille qui a un problème mental, je dégage l'âme de mon frère, je dégage la pensée de ma soeur de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus. Commence à les dégager, commence à les dégager dans le nom puissant de Jésus. Ce soir est le déblocage. Ce soir est le déblocage. Commence à les dégager. Commence à les dégager dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir, je dégage mon âme de toute situation, de toute prison spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit la prison du côté de mon père, que ce soit la prison du côté de ma mère, je dégage mon âme de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare ce soir que je dégage mon âme de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus. Je dégage mon corps de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dégage mes empreintes, bien-aimés. Commence à enlever tes empreintes. Je dégage mes empreintes de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire, s'ils avaient une photo de toi, s'ils avaient une empreinte de toi, s'ils avaient une sueur de toi, s'ils avaient un cheveu de toi, s'ils avaient des ongles de toi, commence à dégager cela de toute prison spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils peuvent aussi garder tes finances. Je dégage mes finances de toute prison spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dégage mon travail.
travail. Si ton travail est bloqué, ton travail est bloqué. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu n'arrives pas, tu as fait tout ce qu'il faut, toutes les formations qu'il faut. Mais tu n'arrives pas à trouver du travail. Déclare ce soir, je dégage mon travail de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus. Et je déclare le déblocage de mon travail dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dégage mon mariage de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus. Si tu n'arrives pas à te marier et que c'est bloqué, dégage cela maintenant de toute prison spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Je dégage mon mariage de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu n'arrives pas à avoir la bonne santé, tu es malade depuis longtemps, dégage maintenant ta santé. Ta santé est enfermée, ta santé est bloquée. Dégage, déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, je dégage ma santé maintenant de toute prison spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je dégage ma santé de toute prison spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a dit, si vous avez une foi comme un grain de senevé, alléluia, comme un petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela va se faire ainsi aussitôt, sur votre parole et sur votre foi. Alors tu vas parler maintenant à tout pouvoir maléfique qui bloque un domaine de ta vie. Alléluia. Tu vas dire, je donne un exemple, que tout pouvoir maléfique qui bloque, exemple, mes finances, les débloque maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir maléfique qui bloque mes finances, les débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui bloque ma santé, alléluia, la débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je me tiens à la porte de minuit, que tout pouvoir maléfique qui bloque mon travail le débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir de la sorcellerie qui bloque mon voyage le débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à commander à tout pouvoir maléfique qui bloque quelque chose qui est à toi, qui bloque un quelconque domaine de ta vie, de le débloquer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ton temps, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à commander à tout pouvoir maléfique qui bloque ce qui est à toi, qui bloque ce qui est à toi, qui bloque un certain domaine de ta vie, de le débloquer maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, commence à prier au nom de Jésus. Que tout pouvoir maléfique qui bloque mes finances les débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui bloque ma santé la débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui bloque mon mariage le débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui bloque ma fertilité la débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir dans le nom puissant de Jésus que tout pouvoir maléfique qui bloque mon travail le débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui bloque mes papiers les débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui bloque un quelconque domaine de ma vie le débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tout pouvoir maléfique qui bloque ma situation la débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui rend ma situation difficile la débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui bloque mon travail, qui bloque mon succès, le débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir dans le nom puissant de Jésus que tout pouvoir maléfique qui bloque mes finances les débloque maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir maléfique qui ramène des envoûtements dans ma vie soit foudroyé par le feu maintenant dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. C'est ton temps, alléluia. C'est le temps que tu puisses prier. Commence à déclarer, commence à prier, commence à commander à tout pouvoir maléfique qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ta situation, qui combat tes papiers, qui combat ton élévation, qui combat ton succès, qui combat ta vie, qui combat ton bien-être. Commence à commander à tous ces pouvoirs maléfiques de débloquer maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que cela soit débloqué, dans le nom de Jésus, que tout pouvoir maléfique qui bloque
qui bloque la santé de tes enfants. Le débloque maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui bloque ta vie, la débloque maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui bloque ma destinée, la débloque maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce soir au nom puissant de Jésus, par l'autorité et le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné, je me tiens sur l'œuvre de la croix de Jésus et je déclare ce soir que tout pouvoir maléfique qui bloque ma prospérité, la débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout pouvoir maléfique qui bloque ma vie, qui bloque mes projets, les débloque maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commande bien aimé, dans le nom de Jésus, commence à commander à tout pouvoir maléfique qui bloque la santé de ta fille, qui bloque la santé de ton fils, de le débloquer maintenant dans le nom puissant de Jésus. Commence à commander à tout pouvoir maléfique qui bloque ton voyage, qui bloque ton visa, de le débloquer maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il y ait déblocage au nom puissant de Jésus, qu'il y ait déblocage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, 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 au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je retire mon nom, alléluia, je retire mon nom de la liste de ceux qui ont des problèmes difficiles au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, retire ton nom. Ce soir, retire ton nom, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je retire mon nom de la liste de ceux qui ont des problèmes difficiles au nom puissant de Jésus-Christ. Je retire mon nom de la liste de ceux qui ont des blocages qui ne finissent jamais au nom puissant de Jésus. Commence à retirer ton nom. Retire ton nom de cette liste-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, retire ton nom. Retire ton nom dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il faut savoir que dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle un listing, où il y a les noms des gens, où on a programmé des personnes. Retire ton nom ce soir dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir que je retire mon nom de la liste de ceux qui ont des problèmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je retire mon nom de la liste de ceux qui ont des problèmes difficiles, de ceux qui ont des situations difficiles qui ne se débloquent pas. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir que je retire mon nom de la liste de ceux qui sont stériles dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que je retire mon nom de la liste de ceux qui ont des échecs à chaque fois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que je retire mon nom de la liste de ceux qui sont destinés à vivre une vie de péché dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que je retire mon nom de la liste de ceux qui sont appelés à être toujours dans l'échec dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, je déclare que je retire mon nom de la liste de ceux qui sont appelés, alléluia, à avoir des problèmes qui ne finissent pas dans le nom puissant de Jésus. Retire ton nom, retire ton nom, retire ton nom. Là où on a mis dans la liste des gens qui ne doivent pas se marier, là où on t'a mis dans la liste des gens qui ne doivent pas travailler, là où on t'a mis sur la liste des gens qui doivent toujours pleurer, là où on t'a mis sur la liste des gens qui doivent toujours avoir des problèmes, retire ton nom de cette liste dans le nom puissant de Jésus. Je retire mon nom de la liste, alléluia, de la liste de ceux qui ont des problèmes chroniques au nom puissant de Jésus-Christ. Je retire mon nom de la liste de ceux qui ont toujours des problèmes dans le nom puissant de Jésus. Retire ton nom, bien-aimé. Retire ton nom au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors que tu es en train de retirer ton nom est en train de s'effacer. Ton nom est en train de s'effacer dans la liste des ténèbres, de la liste des ténèbres. Ton nom est en train d'être effacé au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le nom de Christ est puissant. Parce que le nom de Jésus-Christ est puissant. Ton nom est en train d'être effacé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je retire mon nom. Je retire mon nom de la liste de ceux qui ont des problèmes difficiles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ton nom est retiré maintenant. Ton nom est retiré maintenant au nom de Jésus. Car toi, tu n'as pas des problèmes difficiles dans le nom puissant de Jésus. Je retire mon nom de la liste de ceux qui ont des problèmes difficiles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Des fois, les situations sont bloquées. Des fois, les situations sont bloquées parce qu'il y a un rassemblement de plusieurs démons contre toi, parce qu'il y a un rassemblement de plusieurs esprits méchants contre toi, parce qu'il y a un rassemblement de plusieurs sorciers contre toi. Alors, tu vas prier ce soir et tu vas dire que tout rassemblement fait dans l'air, sur la terre, dans l'eau, dans la forêt,
contre moi se dispersent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je répète encore. Au nom puissant de Jésus, que tout rassemblement fait dans l'air, sur la terre, dans l'eau, dans la forêt, contre moi, contre ma vie, se disperse ce soir par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à commander à tout rassemblement qui est fait contre toi de se disperser. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si on pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir ce qui se passe dans le monde spirituel, quand tu es en train de prier, je pense que tu vas prier même toute la journée jusqu'à demain, même plus. Tu ne vas plus t'arrêter de prier parce que ta prière est efficace. Au nom de Jésus-Christ, ta prière est efficace. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, alors que je me tiens à la porte de minuit, que tout rassemblement fait dans l'air, sur la terre, dans l'eau, dans la forêt, contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, contre mes parents, contre mes frères, contre mes soeurs, soit maintenant dispersé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout rassemblement des ténèbres qui vient pour bloquer les situations dans ma vie soit dispersé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir que tout rassemblement fait dans l'air, sur la terre, dans l'eau, dans la forêt, contre moi, se disperse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare que tout rassemblement des ténèbres qui a été fait contre toi, qui est fait contre toi dans l'air, dans l'eau, dans sur la terre, dans la forêt, contre toi, que cela se disperse maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela se disperse maintenant là où on est en train de bloquer des situations difficiles, on est en train de bloquer des situations. Une situation simple, on la tourne en blocage, on la tourne en complication. Tu ne comprends plus rien, toi-même tu ne sais pas quoi dire. Que qu'il soit dispersé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit dispersé maintenant au nom de Jésus. Que tout rassemblement de ténèbres qui se lève contre toi, qui se dresse contre toi, dans l'air, sur la terre, dans l'eau, dans la forêt, dans les cimetières, au fin fond du village, là où ça se trouve, au Cameroun, que cela soit dispersé maintenant au nom puissant de Jésus. Que tu envoies le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout rassemblement de ténèbres fait contre toi, au fin fond du village en Côte d'Ivoire, soit brûlé, soit détruit par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout rassemblement des ténèbres fait contre toi en France, en Espagne, en Italie, soit maintenant dispersé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout rassemblement des ténèbres fait contre toi dans l'air, sur la terre, dans la forêt, dans les cimetières, dans l'eau, au fin fond de l'Angola, soit brûlé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tout rassemblement des ténèbres fait contre toi dans l'air, sur la terre, dans l'eau, dans la forêt, dans les cimetières, dans les lacs, que cela soit foudroyé dans le nom puissant de Jésus par le feu de Dieu. Je déclare ce soir que tout rassemblement des ténèbres fait contre toi au fin fond de Brazzaville, au fin fond de Pointe-Noire, au fin fond de Caï, soit foudroyé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tout rassemblement des ténèbres fait contre toi au fin fond du Gabon, au fin fond du Sénégal, au fin fond du Maroc, au fin fond du Rwanda, soit foudroyé au nom de Jésus-Christ. Que tout rassemblement des ténèbres fait contre toi dans l'air, sur la terre, dans la forêt, au fin fond de la Guadeloupe, au fin fond de la Guyane, dans la mer de Guadeloupe, dans la mer de la Martinique, soit foudroyé maintenant par le feu au nom puissant de Jésus. Et que toute situation difficile dans ta vie soit débloquée au nom de Jésus-Christ. Soit débloquée au nom de Jésus-Christ. Que tout rassemblement des ténèbres fait contre toi au fin fond de Lubumbashi, au fin fond de Kisangani, soit foudroyé par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le nom du village, quel que soit, même si c'est fait contre toi à partir de la Chine, que cela soit foudroyé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que l'air travaille en ta faveur, que la terre travaille en ta faveur, que les eaux travaillent en ta faveur, que les cieux travaillent en ta faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Et que toute situation qui était difficile dans ta vie soit débloqué ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel déverrouille le cadenas qui avait verrouillé des situations dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel déverrouille maintenant le cadenas. Déverrouille maintenant le cadenas. Que cela s'ouvre, Marabasakabaya. Que cela s'ouvre au nom
de Jésus-Christ. Que cela s'ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, la situation qui te faisait pleurer, je déclare ce soir que l'ange éternel ouvre maintenant le cadenas. Dans le nom de Jésus, la tombe qui t'enfermait, je déclare ce soir que l'ange éternel roule la pierre et tu sors de là dans le nom puissant de Jésus. Oh, toute pierre de blocage qui est en train de bloquer ta vie, qui est en train de bloquer ta situation, est roulée par l'ange de l'éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas déclarer. Mon Père, que tes anges renvoient, mon père, que tes anges renvoient toute mauvaise flèche fixée dans mon dos à son expéditeur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ton ange renvoie au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, mon père, que ton ange renvoie, que tes anges plutôt, que tes anges renvoient toute mauvaise flèche fixée dans mon dos à son expéditeur dans le nom puissant de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon père, que tes anges renvoient toute mauvaise flèche fixée dans mon dos à son expéditeur au nom de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de prier, tu déclares tout simplement que les anges de l'Éternel renvoient à l'expéditeur toute flèche qui a été forgée sous ton, derrière ton dos, toute flèche qui a été forgée derrière ton dos. Oh, que cela soit renvoyé à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, mon père, que tes anges renvoient toute mauvaise flèche fixée dans mon dos à son expéditeur dans le nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus, mon père, que tes anges renvoient toute mauvaise flèche fixée dans mon dos à son expéditeur dans le nom de Jésus. Quel que soit l'endroit de l'expéditeur, laisse-moi te dire ce soir que la flèche retourne maintenant au nom de Jésus. Que la flèche retourne maintenant au nom de Jésus. Que la flèche retourne maintenant au nom de Jésus. La flèche retourne à son expéditeur au nom de Jésus. Mon père, alors que je me tiens à la porte de minuit, que tes anges renvoient toute mauvaise flèche fixée dans mon dos à son expéditeur au nom puissant de Jésus. Oh, que toute mauvaise flèche qui est envoyée contre ton mariage, que toute mauvaise flèche qui a été envoyée contre ta vie, tu commences à perdre ton travail, tu perds ton mariage, tu perds tes enfants, tu perds tout ce que tu as de précieux, que cela retourne, que les anges de l'Éternel le retournent à l'expéditeur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, déclare ce soir, alors que nous sommes à la porte de minuit, tu déclares ce soir, alléluia, toute arme forgée contre moi ne fonctionnera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute arme forgée contre ma vie ne fonctionnera pas au nom de Jésus-Christ. Toute arme, toute flèche forgée contre ma maison ne fonctionnera pas au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre mon couple ne fonctionnera pas au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre mon époux ne fonctionnera pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que toute arme forgée contre moi ne fonctionnera pas au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, n'oubliez pas, il nous reste que trois mois pour la fin de l'année. Et c'est les 3 mois où le diable veut se lever pour tuer encore des personnes. C'est les 3 mois où le diable veut se lever pour demander encore du sang. Il s'est levé pour redemander encore des âmes, pour redemander le sang. Alors tu dois te lever dans la prière. Je déclare que dans les 3 mois à venir, je suis préservé par le sang de Jésus. Oh, toute arme forgée contre ma maison, toute arme forgée contre ma famille, toute arme forgée contre moi ne fonctionnera pas au nom de Jésus. Sera nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre mon frère, contre ma soeur, sera nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que toute arme forgée contre moi ne fonctionnera pas dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi, l'arme peut être le cancer, l'arme peut être le sida, l'arme peut être toutes sortes de problèmes, de blocages, de situations. Bien-aimé, cela ne fonctionnera pas dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il te feront la
guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que tu es de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Déclare ce soir, je déclare une panne technique à tout sorcier qui va se lever pour vouloir attaquer ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare une panne technique à l'avion des sorciers. Je déclare une panne technique au balai des sorciers. Dans le nom puissant de Jésus, déclare la panne technique. Déclare la panne technique dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il soit foudroyé par le feu. Qu'il soit humilié au nom puissant de Jésus. 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 Que l'ennemi soit humilié dans ma vie. Déclare que l'ennemi soit humilié dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sorcier soit humilié dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'adversaire soit humilié dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que le féticheur soit humilié dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient humiliés dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Car je suis de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors commence à réclamer tes bénédictions. Réclame tes bénédictions. Déclare que toutes les bénédictions du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, alléluia. Oh, de l'ouest, soit maintenant relâchées et qu'elles viennent à moi au nom puissant de Jésus. Que toutes les bénédictions du nord, du sud, de l'est et de l'ouest soient relâchées et qu'elles viennent à moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, que toutes les bénédictions du nord, du sud, de l'est et de l'ouest soient relâchées et qu'elles viennent à moi au nom de Jésus. Appelle ces bénédictions maintenant. Oui, c'est ton droit. Tu dois être béni. Appelle ces bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare ce soir que toutes les bénédictions du nord, du sud, de l'est et de l'ouest soient relâchées et qu'elles viennent à moi au nom puissant de Jésus. Que toutes les bénédictions du nord, du sud, de l'est et de l'ouest reviennent à moi. Alléluia. Qu'elles soient relâchées et qu'elles viennent à moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Récupère tes bénédictions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Que toutes les bénédictions du nord, du sud, de l'est, de l'ouest soient relâchées et qu'elles reviennent à moi et qu'elles viennent à moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, alors que nous étions en train de prier, j'ai eu une image qui était claire dans mon esprit. Et j'ai vu comme un ange qui est en train d'ouvrir un gros cadenas. Alléluia. C'est comme s'il ouvrait avec une clé un gros cadenas. Et je crois, bien-aimé, que c'est le déblocage. Je crois que le déblocage est fait. Les anges ont été dépêchés pour débloquer toute situation qui était difficile pour toi. Je dis bien, toute situation qui était difficile, ça a été débloqué. Que le Seigneur te bénisse et aie la foi que ça a déjà été fait. Reçois tout simplement tes bénédictions, que toutes les bénédictions du nord, du sud, de l'est et de l'ouest soient relâchées et viennent à moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence juste à reprendre possession de tes grâces et de tes faveurs. Alléluia. Déclare aussi que toutes mes grâces et mes faveurs bloquées me soient remises maintenant au nom de Jésus. Que toutes mes faveurs et mes grâces bloquées me soient remises maintenant au nom de Jésus. Je récupère cela dans le nom de Jésus. Je récupère toutes mes grâces, toutes mes faveurs dans le nom de Jésus. Que toutes mes faveurs, que toutes mes grâces et mes faveurs bloquées me soient restituées au nom de Jésus. Me soient remises au nom de Jésus. Me soient remises au nom de Jésus. Je récupère cela dans le nom de Jésus. Que toutes mes grâces et mes faveurs bloquées me soient restituées dans le nom de Jésus. Me soient remises au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as tellement de choses merveilleuses que Dieu a mis en toi, qui sont à toi, que Dieu a prévu, que Dieu avait mis en toi quand il t'a envoyé sur la terre, qui sont à toi, mais qui ont été bloqués par l'ennemi. Récupère cela dans le nom de Jésus. Récupère, récupère tes jumeaux, récupère tes jumelles, récupère ton mariage, récupère ta situation, ta stabilité, récupère tes projets, récupère tes finances, récupère, récupère.
perds ta vie spirituelle. Tu n'es pas appelé pour vivre dans le péché. Tu n'es pas appelé pour vivre dans la débauche. Tu n'es pas appelé pour avoir une vie de désordre. Mais tu as été appelé pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Récupère cela dans le nom de Jésus. Ta vie va manifester la gloire de Dieu. Ta vie va manifester Christ dans le nom de Jésus-Christ. Tu es appelé à t'asseoir avec les grands. Tu es appelé à briller. Récupère ton étoile dans le nom de Jésus. Récupère tes grâces dans le nom de Jésus. Récupère tes faveurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions donner une offrande au Seigneur. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Nous sommes plus de 1000 personnes. Aimez la vidéo. Aimez, cliquez juste j'aime la vidéo. Donnez une offrande à la vidéo. Vous pouvez aussi dresser un autel, un véritable autel. Vous pouvez dresser une offrande ce soir et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Alléluia. Et je vais prier, ne partez pas vite s'il vous plaît. La Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors attendez la prière de la fin. Et s'il vous plaît, si vous êtes nouveau, ne partez pas si vite. Cliquez d'abord sur s'abonner et sur la cloche des notifications afin que vous puissiez nous suivre sur les autres programmes chaque jour. Gloire à Dieu. Tendre Père, merci pour ce temps glorieux et merveilleux. Merci pour les bénédictions que tu as déversées sur nous comme de la pluie. Bénis ton peuple, Seigneur. Je viens bénir toute personne qui a suivi cette prière, Seigneur, de partout dans le monde. Que tu les bénisses, oh Dieu. Et je te prie, Seigneur, que ce cadenas que l'ange a ouvert ce soir puisse ouvrir des grandes portes, Seigneur, de bénédiction dans la vie de tes enfants. Et que les témoignages viennent en cascade dans le nom de Jésus. Je te prie de garder tes enfants en cette nuit. Préserve-les, garde-les. Je détruis et j'anéantis tout esprit de mari de nuit, tout esprit des esprits des eaux, tout esprit de femme de nuit dans le nom de Jésus. Et je déclare cette nuit une nuit de paix, une nuit de quiétude, une nuit, Seigneur, de tranquillité, une nuit où tu vas venir visiter chaque personne dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que je connecte chaque oreiller, l'oreiller de chaque personne à l'échelle du ciel dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, le lit, l'oreiller de chaque personne soit connecté au ciel au nom de Jésus et qu'il y ait des songes divins. Je prie, Seigneur, que tu montres à chaque personne les secrets cachés de sa vie qu'il ne connaît pas. Dans le nom de Jésus, ouvre l'intelligence spirituelle, ouvre les yeux spirituels alors qu'ils seront en train de dormir. Montre les choses cachées, expose ce qui doit être connu dans le nom de Jésus et que l'ennemi soit dévoilé dans le nom puissant de Jésus. Fais le Seigneur, fais du bien à Itra, je te prie. Fais du bien, distingue Itra dans sa famille. Dans le nom puissant de Jésus, parce que c'est ta servante, parce que Seigneur, c'est ta fille, elle te connaît. Oh Dieu, distingue tous ceux qui sont connectés et qui sont moqués dans leur famille. On se moque d'eux, on rigole d'eux, parce qu'ils prient. Seigneur, fais la différence, car tu as dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dans cette génération perverse, Père, distingue tes enfants, je t'en supplie, distingue, qu'ils soient loin. Une chose est sûre, pour toi, Seigneur, la distance n'est pas un problème. Ta main n'est pas trop courte pour sauver qui que ce soit. Que tu puisses toucher ceux qui sont en RDC, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont en Guadeloupe, ceux qui sont en Martinique, ceux qui sont en Guyane, Seigneur. Que tu commences à toucher ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique du Nord, ceux qui sont en Amérique du Sud, ceux qui sont en Arabie Saoudite, ceux qui sont en Inde. Que tu touches, Seigneur, et que tu puisses changer et réécrire leur histoire dans le nom puissant de Jésus. Que tu réécrives l'histoire de chaque personne. Et que Père éternel, tu les distingues dans le nom de Jésus. Souviens-toi d'Angèle B, souviens-toi de Magali B, souviens-toi de leur famille dans le nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de Violette et de Sam. Souviens-toi de Jean-Louis, Seigneur. Souviens-toi de Madeleine. Souviens-toi, Seigneur, de toute la famille TPS. Souviens-toi, Seigneur, oh Dieu. Je prie, Père éternel, pour ceux qui, avec les maigres moyens, Seigneur, envoient leur argent pour la maison de prière. Seigneur, mon Dieu, tu es fidèle. Oh, que ta fidélité parle, que ta fidélité crie. Souviens-toi de Paul Elie et sa famille et ses enfants. Souviens-toi, Seigneur, oh Dieu, de Kadi Soron en Côte d'Ivoire. Souviens-toi, Seigneur, Dieu de gloire, de tes enfants, Seigneur, oh Dieu, de Mireille qui est à Lubumbashi. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi et fais du bien. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Père éternel, Dieu de gloire, tu connais la liste de tous ceux qui ont participé à la maison de prière et qui continuent à participer. Je te prie, Seigneur, de te souvenir d'eux. Souviens-toi aussi de ceux qui veulent donner mais qui n'ont pas. Souviens-toi de ceux qui portent cette maison de prière, Seigneur, dans leur prière. Souviens-toi, oh Dieu, et souviens-toi de tous ceux qui sont pères dans la maison de, dans la tour de prière semeur, qui sont toujours là. Je te prie de te souvenir d'eux. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Oui, une chose est sûre.
leur lumière va briller. Ah, votre lumière brillera. Votre étoile brillera. Oui, l'Éternel se lèvera et il montrera qu'il est avec vous. Il se lèvera, il ouvrira un chemin pour vous dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour les anges de la consolation que tu envoies. Les anges de la consolation qui consolent, qui ramènent des mouchoirs pour consoler, pour donner la joie. Oh, je vois ces sourires, ces gens qui sont en train de sourire, qui sont en train de sauter, qui sont en train de recevoir de toi, Seigneur. Merci Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour la restauration des âmes encore ce soir. Merci Seigneur, reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci car tu confonds les médecins qui ont dit que la situation était difficile. Merci car tu confonds la belle famille qui disait Seigneur que cette femme n'était pas la bonne. Merci car tu confonds Seigneur, oh Dieu de gloire, ce mari qui est en train d'insulter sa femme. Merci car tu confonds Seigneur, oh nos enfants, mon frère qui au travail est humilié. Merci car tu confonds Seigneur, tu confonds leurs adversaires. Dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Père, garde-nous fidèles à toi et ramène-nous encore tout à l'heure à 4h30, à 4h15 Seigneur pour devancer l'aurore. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu de gloire. Merci, merci, merci pour l'exaucement, parce que tu es Dieu et parce que tu es fidèle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner. Alléluia, s'abonner et sur la cloche des notifications. Il faut cliquer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les autres vidéo, toutes les autres informations. C'est très important. Alléluia. Et n'oublions pas l'opération maison de prière. Nous avons notre maison de prière à bâtir. Alors, on a besoin de finances, s'il vous plaît. Nous devons la financer. Aidez-nous à la financer pour que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis. Soyez bénis. On se retrouve tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. À tout à l'heure. Shalom, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Depuis plus de 3 ans, la tour de prière Summer bénit beaucoup de personnes à travers le monde. Par la tour de prière Summer, beaucoup de personnes ont eu la délivrance. Beaucoup de personnes ont connu le Seigneur. Beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Aujourd'hui, la tour de prière Summer veut passer à une autre étape. Et pour cette étape, nous avons besoin de vous. Nous voulons réaliser la maison de prière. Et pour cette maison de prière, nous sommes limités. Nous avons besoin de vos soutiens. D'où que vous soyez, où que vous soyez, nous sollicitons vos dons pour que nous puissions réaliser la maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples, une maison de prière pour les nations. Cette maison de prière sera ouverte à la prière 24 heures sur 24. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur s'est toujours engagé pour nous. Nous aussi, engageons-nous pour l'œuvre du Seigneur et pour l'avancement du royaume. Soutenons la maison de prière. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez nous contacter au plus 33 6 52 49 23 11. Envoyez juste un message WhatsApp en écrivant « don » ou encore « j'aimerais faire un don ». Vous pouvez nous joindre sur YouTube, sur la chaîne «
Tour de prière Semeur TV. Et au bas de chaque vidéo, vous aurez toutes les coordonnées possibles pour faire votre don. Vous pourrez aussi trouver en bas de cette vidéo un lien PayPal, un lien Litchi où vous pourrez directement faire votre don. Et si vous avez des difficultés à faire le don par Litchi ou par PayPal, vous pouvez aussi nous écrire toujours via WhatsApp pour que nous puissions vous envoyer nos coordonnées, les noms, pour que vous puissiez faire un transfert Western, MoneyGram ou encore RIA. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, soyez bénis. Dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent. Mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens. Je viens voir aux eaux de ta rivière. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. Laisse-moi toucher dans mes deux mains afin. Laisse-moi toucher ton vêtement. Yeah, yeah, yeah. Je veux voir ta gloire, Yéla. Je veux voir ta gloire, Yahweh. Dans ma maison, lève-toi, Yaya. Moi, je veux voir ta gloire dans ma vie. Oh Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Trop de souffrance, Yahweh. Oh, oh, moi, je veux voir ta gloire, Yahweh. Oh oui, je veux voir ta gloire. Lève-toi dans ma maison, Yahweh. Lève-toi, 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 lève-toi. Oh, lève-toi, visite-moi, Yahweh. Ouvre le ciel sur ma vie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification.